C'est le décor pour Noces de sang de Federico Garcia Lorca, parce que pendant qu'une partie de la CDO vogue vers les États-Unis, une autre partie prépare la saison 66-67. Oui. Vous allez donc jouer Noces de sang cet hiver. Nous avons choisi Noces de sang pour le 30e anniversaire de la mort de Lorca, qui a été fusillé pendant la guerre civile espagnole. Oui. C'est le premier spectacle de la saison qui est mis en scène par René Laforgue, que ses ascendances espagnoles destinaient tout à fait à ce travail. Qu'on entend, pas qu'elle a besoin de crier. Hein? Hein? On prend l'air. 1, 2. L'air est plein de fleurs qui pleuvent sur ta route. Aïe, blanche fille, l'ombre fait trembler la dentelle de ta mantille. Qu'allez-vous présenter d'autre pendant la saison? Alors, nous n'aurons que ce spectacle pour le premier trimestre parce que c'est un spectacle très lourd. Ensuite, nous aurons Les Espagnols en Danemark d'un jeune auteur appelé Prosper Mérimée. Et en même temps, Le mariage de Monsieur Mississippi de Friedrich Dürrenmatt, puisque les deux auteurs de langue allemande actuelle sont suisses. Oui. Nous avons déjà présenté Max Frisch, maintenant ce sera le tour de Friedrich Dürrenmatt. Et nous terminerons la saison avec Le Révisor de Nicolas Gogol, une saison cosmopolite, ce qui nous était imposé justement par la tournée intercontinentale que nous avons entreprise. Mais dites-moi, Georges Goubert, à part Mérimée, est-ce que c'est un petit peu je ne dirais pas le reproche, mais enfin c'est une observation qu'on a pu entendre dans l'Ouest, est-ce que vous ne présentez pas des spectacles souvent au CDO un petit peu trop, je ne dirais pas trop sérieux, mais quelquefois à la limite de l'ésotérisme, des spectacles un petit peu sévères, et pour tout dire, des spectacles d'avant-garde, et une certaine partie du public ne comprend pas. Et personnellement, je ne vois pas pourquoi un public contemporain entrerait plus facilement dans l'univers de la tragédie racinienne que dans l'univers de Boris Vian ou dans celui de Max Frisch. Oui, sans doute. Et d'ailleurs, l'expérience nous montre que les pièces contemporaines sont admises immédiatement par deux catégories de public. Par un public qui est intellectuellement formé, ou au contraire, par un public qui est parfaitement frustre. Et que les seuls qui résistent à ce genre de théâtre, ce sont ceux qui ont un certain vernis de théâtre, et ils considèrent que le cadre étroit auquel ils sont habitués est absolument définitif. Oui, mais c'est ça la plus grande masse au fond. Ah non, c'est pas vrai. Ne croyez pas. Je crois que la plus grande masse, c'est celui du public qui n'a aucune idée de ce qu'est le théâtre. Et lui, alors, embraye volontiers avec une certaine forme de théâtre. Bien sûr, il embraye directement sur un théâtre qui traite de problèmes qui sont de son époque, qui sont ses problèmes quotidiens, et beaucoup plus que sur ceux de Bérénice. Alors cet hiver, pendant la saison 66-67, pendant qu'une partie du CDO sera aux États-Unis, eh bien, nous pourrons, nous, assister, comme tous les ans, à des spectacles du CDO.